Togo Info, le Togo à votre portée. Oui, non, vous savez, nous avons aujourd'hui deux visages du paysage politique. Il y a le peuple, pour qui les enjeux sont différents. Le peuple, pour eux, ça sera un exercice d'investissement si jamais il y a présidentiel en 2020, surtout avec le chef de l'État actuel. Donc pour eux, c'est pas encore ça. Et le peuple ne croit pas en l'alternance par les urnes, du moins dans les conditions actuelles. Bon, maintenant, si dans ces conditions, les candidats trouvent, les gens trouvent qu'il faut déjà candidater, qu'il faut déjà annoncer leur candidature pour cette élection, est-ce pour aller jouer aux complices, pour aller servir de faire valoir, ou pour aller faire quoi, sinon pour servir de faire valoir? Parce qu'aujourd'hui, tous ces candidats, qui aujourd'hui a les moyens de défendre ça, de défendre sa victoire? Qui aujourd'hui a les moyens de contrôler tout l'appareil électoral? Qui aujourd'hui a les moyens de quitter le fichier de... Nous avions toujours dit que, déjà quand vous voyez, en 2000, quand le pouvoir même, par des artifices, avec le guinéen, Alpha Condé est venu décréter, décider d'un rattrapage pour le recensement électoral en novembre 2017, trois jours de recensement, ils sont arrivés à combien? Ils ont déclaré 250 000 personnes. Et en 2018, quand la C14, qui avait appelé au boycott, a appelé maintenant à participer à ces opérations d'arrangement, ils ont encore déclaré environ 250 000 personnes. En fait, qui trompe qui? Donc moi, je mets des doutes sur la crédibilité de ce fichier électoral. Qu'on déclare à 3,4 millions de Togolais. Moi, j'ai du doute. Mais bon, nous ne sommes pas encore techniciens, mais nous faisons juste des analyses. Et quand vous prenez rien que l'arbre, la pyramide des âges du Togo, il y a au moins 15%, il y a au moins la moitié de la pyramide qui a moins de 15 ans. Autour de 15 ans. Et ça veut dire que normalement, chaque année, il y a une bonne partie de cette ouvrière-là qui rentre dans la tranche de. Enfin, qui rentre en possession, qui rentre en possession de leur droit de vote. Du moins, ils rentrent dans la tranche des votants. Donc, quand on déclare cet effectif pour ce fichier, pendant qu'on voit tout le boycott qu'il y a eu, les taux d'abstention, parce que si, moi je m'abstiens à aller voter, soyez d'accord que parmi les abstentionnistes, il y a déjà beaucoup qui ne sont même pas enrôlés. Parce que si je sais que j'avais à voter, je vais aller me faire enrôler. Vous avez vu en 2018 combien de fois, parce que ce sont des militants de l'opposition majoritairement, les gens étaient empêchés de se faire enrôler dans le fichier. Et on déclare le même chiffre que ce qu'on a eu à faire, ce qu'on a déclaré en novembre 2017. On se fout de qui?